Bonjour, je m'appelle Rémi Carrier, j'habite en plein milieu de la ville de Québec et mon projet, c'est un projet d'agriculture urbaine. J'ai découvert ma passion pour l'agriculture à l'Institut de technologie agroalimentaire de la Pocatière et depuis ce jour-là, je rêve du jour où je vais pouvoir m'installer en agriculture. Malheureusement, je ne vois pas le jour où je vais pouvoir m'installer en campagne avec ma famille pour produire. J'ai donc décidé de faire de l'agriculture en ville. Grâce aux nouvelles technologies, c'est maintenant possible de produire à l'intérieur des bâtiments. Et on est beaucoup plus proche de la clientèle qui est la population urbaine. Mon projet consiste à produire des fines herbes dans l'eau, donc de la culture hydroponique, et de vendre les plants que les gens vont pouvoir conserver à la maison, vivants, à l'aide de ce que j'ai développé, un mini-jardin. Je l'appelle un mini-jardin, c'est un tube réservoir qui permet de conserver les fines herbes vivantes pendant quelques semaines. Ces plants-là ont 3 semaines et ils se portent encore très bien. Si je gagne et que je l'ai 5 000 $, bien ça va me permettre d'automatiser mon système et de mieux le contrôler, ce qui va me permettre de moi consacrer du temps à la promotion de mon produit et à sa mise en marché. Pourquoi je devrais être dans les finalistes? Bien déjà, j'ai un produit novateur, original et qui pourrait permettre aux gens de voir que c'est maintenant possible de faire de l'agriculture en ville, chose qui n'était pas possible avant. Donc, je suis très heureux de faire de l'agriculture en ville et j'espère que vous allez encourager l'agriculture urbaine. Merci.